Bienvenue à bord. Bonjour. Alors nous sommes le samedi 14 mai et aujourd'hui je vais partager avec vous un atelier. Alors c'est un atelier sillage tel que ceux que je vous ai proposés il y a quelques semaines sur le matage, les femmes à la manœuvre. Et aujourd'hui on va se concentrer sur l'électronique. Tu fais pas un petit discours? Ah, je fais un petit discours pour Serge. J'aime bien le petit discours de début d'atelier. Alors, je vais mettre à côté de Pascal quand même. Ouais. Et normalement, d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Donc, cet atelier aujourd'hui, on va parler donc de l'électronique et plus particulièrement donc de la façon dont est monté en fait les instruments en réseau et ce qui peut du coup bugger et comment, le cas échéant, intervenir. Vous sur vos bateaux pour régler les éventuels problèmes. Et puis toujours donc le but et l'intérêt de ces ateliers, c'est de poser des questions qu'on se pose tous sur le matériel qui actuellement évolue assez vite, et ce qui est très vrai aussi au niveau des connectiques et des branchements. Voilà, donc Pascal, à toi de jouer. Allez, avec nos remerciements. Et merci Alain. Merci. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, on démarre. Alors normalement j'ai mis tout le matériel que vous avez sur les bateaux, d'accord. On a un cadran répétiteur multifonction, c'est ce que je déballe quand j'arrive, je déballe tout, je mets tout dans le bateau. On a un cadran pilote, on a un lecteur de cartes plus ou moins grand, là j'ai pris un 9 pouces pour présenter, on a un répétiteur AIS, on a un pilote, sur un calculateur de pilote avec un compas, d'accord. Donc je déballe tout et après il faut que j'installe tout ça sur le bateau. Et je câble tout. Donc, en fait, si on part sur le pilote, le calculateur du pilote, on ouvre une boîte et dedans on retrouve toutes les connexions. D'accord ? Dans lequel on a le 12 volts qui arrive. Alors, ce 12 volts alimente tout le réseau. On a la puissance du moteur du pilote. On a le clutch qui est l'embrayage, qui va commander comme dans une voiture quand on appuie sur l'embrayage pour pouvoir passer la vitesse. Et à côté on a le rudder qui est l'information capteur d'angle barre. Vous savez votre information qu'on a sur le cadran, qui va en rouge, en vert. Et en fait le rudder c'est cette pièce là. Donc là on a un point milieu, buté d'un côté, milieu, buté de l'autre côté. Et cette information est gérée par le calculateur qui est renvoyée via cette prise NG dans tout le réseau. Donc toutes les informations qui sont là se promènent sur tous les cadrans. D'accord ? Donc j'envoie mon pilote sur le réseau, il commande mon pilote. Je peux avoir des informations cap envoyées par le compas du pilote. Et toute cette partie-là marche ensemble. Après, sur le pilote, généralement, ce qu'on connecte, c'est une centrale girouette. Log sondeur, anémomètre, ainsi de suite. Qui est connectée. Toutes les informations arrivent dans une autre boîte encore. Tout est connecté dans cette boîte. Ici. Là, c'est facile à câbler. On met les petites cosses sur les fils. Et chaque fil est repéré. Donc, la vitesse température, donc je l'ai là. J'ai la profondeur qui est ici. Et j'ai les informations vent. Même principe, des petites cosses qui viennent se connecter là. Donc, du capteur de lock, en fait, qui est devant dans vos cabines avant. Je pars jusqu'en table à carte où je viens connecter ça. Et deux têtes de mât, j'ai le fil qui est fixé en tête de mât, ce qu'on a vu l'autre fois, dans la première formation. Et on redescend les fils du mât et qui vient aussi se connecter jusqu'en table à carte sur cette boîte. Et le jaune compas ? Le jaune, alors, on n'est pas obligé de mettre ses compas. Sur les anciens pilotes, on n'avait pas ses compas, donc on pouvait venir brancher un compas directement là. Mais ça, je ne l'ai jamais fait. Chaque fois, je branche les compas sur le calculateur du pilote. Pour qu'il soit direct en travail direct. On peut avoir aussi le rudder. Au lieu de le brancher là, on pourrait le brancher là. Et c'est elle qui ressort l'information. Mais pareil, je le branche directement au calculateur, comme ça elle a son information directe. Là, je branche réellement que le log sondeur et la girouette. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de cosses ?
finalement. Parce que, non, parce alors... que t'as une couleur par, j'imagine le jaune, tu le mets ici sur Ah mais non. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Non, non, sur le wind, par exemple, donc j'ai le jaune. Ouais, le jaune. Tu le mets sur le jaune, le bleu. Et c'est la suite, ouais. C'est dans le sens que ça marche. Ouais. Ah ok, d'accord. C'est dans le sens de la longueur. Voilà. Ah ouais. Après le rouge et le gris. Ah, j'ai compris pas. Hein okay. C'est dans le sens plutôt que ça se branche. Donc, ce qui peut se passer des fois quand on branche les cosses, en fait, elle arrive, on ne fait pas attention, des fois on branche entre la cosse plastique et le. Donc ça crée une panne. C'est possible. Hein. Donc dans les pannes que j'ai, généralement c'est ou elle qui tombe en panne, donc j'ai plus l'information ni vent, ni log sondeur. Ou alors, comme la dernière fois c'était le capteur de log qui tombe en panne, ce qui est assez rare quand même. Et j'ai plus l'information vent, donc j'ai plus de vent vrai. Plus d'information de vent vrai. Puisque c'est elle qui fait le calcul entre le vent vrai et le vent apparent. Donc on repart de là. Donc tout ça doit être relié ensemble. D'accord ? Il y a l'AIS aussi, on va regarder l'AIS. Sur l'AIS en fait, c'est une boîte noire comme ça. Même principe, j'ai encore une boîte de connexion qui vient se connecter dans le réseau qui est là pour que tout communique ensemble. J'ai une prise d'alimentation 12 volts. De ce côté, j'ai l'antenne qui va sur la VHF. J'ai l'antenne qui vient du mât. Et j'ai l'antenne à GPS. Chaque AIS a sa propre antenne GPS. Donc il y a une antenne GPS comme ça cachée dans le bateau ou en extérieur. Généralement, je les cache dans le bateau. Derrière les toilettes. Ouais, il n'y a pas lieu qu'elle soit dehors. Quoi. Du moins, quand il n'y a pas un pont en tech, il n'y a pas lieu qu'elle soit dehors. Si on a un pont en tech, elle est dehors. Donc en fait, elle est pas on peut la monter sur une petite rotule. Je le faisais avant, je le fais plus, je crois. Je démonte en fait le support. J'enlève le support et je la mets à plat. Je la monte à plat. Comme ça, elle est à fleur. Sur le bateau, ça fait il y a moins de risques qu'elle prenne des coups encore. D'accord ? Donc ça, c'est tout le matériel physique qu'on a sur le bateau. Après, le truc, c'est qu'il faut tout relier ensemble. Donc on a des câbles blancs et des câbles bleus. Les câbles bleus, c'est des dorsales. C'est le signal qui promène dans le bateau. Et les câbles blancs, c'est des branches. C'est elle qui va chercher les informations sur la dorsale. Donc on a ce câble bleu qui promène dans le bateau. Toutes les informations se passent dessus. Et on vient plugger pour aller chercher des informations, les renvoyer sur des cadrans ou aller chercher des capteurs. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Généralement, cette pièce-là est en table à carte, là où je ramène tous mes capteurs. Je me connecte dessus. Alors la connexion, c'est on pousse et il faut absolument faire deux crans. Et de là, je pars dans mon bateau où j'interfère des connexions. Donc de là, normalement, je vais jusqu'au cocon arrière ou tribord ou bâbord suivant d'où est la table à carte et je remets un connecteur. Et deux crans. De là, je continue mon chemin. Bonjour. Je continue mon chemin, hop, et je remets un autre connecteur au bout encore. Donc en fait, tu fais tous les points où tu as des éléments. Ouais. Comme ça. D'accord. Hein? Et chaque fois, tu viens brancher l'élément sur le, c'est ça. Le c'est blanc. Ça. Après, par contre, pour que le réseau, à l'heure actuelle, on n'a fait que le début du réseau. Hein. Pour qu'il soit actif, ce réseau, il faut qu'il y ait une terminaison là pour fermer le réseau et une terminaison là pour fermer le réseau. Les terminaisons, c'est des petits bouchons. Bleu. Ouais. Plus bleu. Pareil, et deux crans. Et là, pareil. Et on met ces deux crans. Là, on a fini le réseau. D'accord ? On y renvoie du 12 volts. Alors, le 12 volts, moi, je le renvoie dans le calculateur. J'active un interrupteur qui est là pour dire que je veux mon 12 volts. Et c'est lui qui me renvoie le 12 volts dans le réseau. Câblage du réseau dans le calculateur en fait, hop, un fil comme ça. Il y a pratiquement tous les mêmes installations. Là, et là, je vais me plugger sur une barrette. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Ça veut dire que là, mon calculateur, ça y est, hop, lui, il est dans le réseau. Ouais. Lui, il peut commencer à travailler. Pour qu'il travaille, il lui faut une information compas. Le compas, c'est cette boule ronde. Elle est fixée par un support blanc à plat. Donc pareil, je la connecte.
Je remets le cran et je viens la connecter là. Voilà. Là, je suis en continuité de mon réseau. Donc maintenant, lui, il a un compas, il a une intelligence. Le problème, c'est qu'il a pas de, il a toujours pas d'informations pour le commander. Toujours le même principe. On pourrait se mettre sur autre. Hein. Ouais, tu le mets là où tu es le plus proche. Ouais, sur un blanc. Tu te connectes là où là, tu peux. L'idée, c'est quand on alors sur ces longueurs de fil, on a des fils de 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres. On ne peut pas dépasser les 5 mètres. Ouais. Donc si jamais on était plus loin, ce qu'il faudrait, c'est rallonger la dorsale. Ouais, ouais, remettre. On repart sur la dorsale et on va plus loin. Ouais. Voilà. À l'heure actuelle, là, on a un pilote. Oui, parce que tu as le compas et. Le compas, lui, il serait câblé ici. Oui. D'accord ? Et le 12 volts, et c'est le 12 volts de lui qui m'envoie le 12 volts dans le réseau. Non, c'est ça. Ouais, et là, tu le mets sur moteur. Rudeur, là, ici. Lui, rudeur. Rudeur, ouais, c'est oui, ça. Oui. Là, on a un pilote en fonction. Là-dessus, on a la. Et là, tu as les couleurs. Ouais. C'est facile, hein ? Oui, c'est facile. Oui. Sur une table, c'est facile, oui. Ouais, ben dans le bateau, le problème, c'est de passer les fils. Mais après, c'est facile aussi. Et là-dessus, si j'ai bon, là, je branche mes capteurs vent et log sondeur et je renvoie mes informations vent dans mon pilote. D'accord. Donc, je peux faire marcher mon pilote en mode vent, du coup. Tout est connecté. Et donc là, tu peux brancher un GPS, tu peux en mettre un deuxième et à chaque fois, tu viens le brancher. Oui. Alors, que pour l'information. Que pour l'information numérique. Pour l'image, par exemple, si on avait un radar, ouais. Alors c'est plus parlant avec les fils. Le fil du GPS, d'alimentation du GPS, c'est ça. D'accord ? Et là, j'ai la prise élémée à 2000 classique, mais moi, je suis en NG, donc il faut que je transforme cette prise. Donc je mets un adaptateur. D'accord ? Qui me transforme la prise élémée à 2000 en prise Raymarine NG. Je me connecte à mon réseau. Hop. Et lui, je le connecte en alimentation sur mon lecteur. Ça veut dire que lui, il a les informations de la géographie du log du sondeur, il a les informations du compas, il a les informations du pilote, mais si on met un autre écran, il aura pas les informations images. Tu sais, comme toi, tu as deux écrans, tu as ta cartographie d'un côté, et de l'autre côté, tu n'as pas de carte. Tu as une carte que dans un appareil, pas dans les deux appareils. Si, enfin, j'ai les deux. Oui, mais tu as les deux parce qu'ils parlent entre oui, eux. Oui, c'est ça, ouais. Et si tu avais deux cartes, on s'en fout qu'ils soient reliés. Mais là, vu que tu n'as qu'une carte et deux écrans, il faut une liaison. Qui est une liaison Raynet, en fait, qui vient se connecter là. Et de là, il y a encore un autre fil qui va à ton autre écran. D'accord. Ça, c'est la partie information et ça, c'est la partie image. C'est-à-dire que si tu as un radar, le radar, il viendrait se connecter là. Alors, sur ton écran, tu as deux prises comme ça. Ça veut dire qu'on peut mettre un radar sur une prise et l'autre côté, l'autre écran. Sur celui-là, on n'a qu'une prise. Donc là, il faut que j'aille sur un hub. Et sur le hub, je connecte un radar et un deuxième écran. D'accord. Ouais, ça en fait des fils. Hein. Donc là, on a toutes les informations pour le pilote. Ce qu'on n'a pas comme information, c'est une information de lecture d'informations de la girouette, du log, du sondeur, on n'a pas. Donc on peut la relire sur lui, puisqu'on est connecté via ce fil. Ou alors, même principe que le cadran du pilote, on prend un cadran multifonction, on y met un fil dessus, et on vient se le plugger sur un brownie. Et on revient dans une install comme vous avez classique sur les bateaux. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans les longueurs de fil, que chaque fil c'est 30 €, quoi. Ça va vite. Fil 30 euros grand, ça monte à 50, 100. On a pratiquement tout. S'il nous manque l'AIS qu'on n'a pas interfacé, puisque pareil, lui aussi il a la prise énémée à 2000. Alors là, il faut la prise spéciale. Il faut la prise spéciale qui transforme en NG. Ouais. Il disait que le texte empêche de. Il l'émission. En fait, il absorbe le signal. Ah, ça absorbe. Alors, il absorbe le signal sur des antennes passives. Ça, c'est une antenne passive en fait. Hein. Ça, c'est pas une antenne. En fait, lui sort un signal 5 volts et c'est elle qui travaille. D'accord ? En ouais. 5 volts. C'est une antenne passive. Et après, les antennes actives, en fait, c'est elle qui calcule sa position
Et on, alors, l'antenne GPS active Raymarine Marine a un poste forme, hein, pareil, blanc. Et c'est elle qui calcule sa position et qui renvoie dans le signal. Alors elle, elle accepte d'avoir du bois dessus. Elle accepte du bois, d'avoir du bois dessus. Mais elle, non. Elle, ça ne marche pas. Elle. Parce que quand on ajoute un transpondeur pour émettre les signaux AIS, il faut rajouter un championnat vert. On est bien d'accord. Oui, oui, surtout. Mais c'est, alors, normalement, c'est bon. Alors, il y a des AIS qui sont plus ou moins chers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des marques qui vendent l'AIS tout seul. Donc, dès qu'on commence à rajouter 50€ d'antenne GPS, ben, on augmente le truc de 50€. Mm-hmm. Chez Raymarine, on me dit qu'il est un peu plus cher, mais sauf que dans la boîte, j'ai tout. J'ai le câble, j'ai l'antenne, et après on essaie un AIS, de mémoire c'est un 7 watts, c'est un AIS plus puissant, alors qu'il y en a des moins chers, c'est 3 watts. Il y a ça aussi qui joue dans le prix de l'AIS. Oui, tout à fait. Ouais. Et Wi-Fi aussi. Et après il y en a d'autres qui sont Wi-Fi qui sont encore un peu plus chers. Là-dedans tu as le GPS. Oui. Alors pourquoi on n'utilise pas le GPS de ça pour l'AIS? Ça ne marche pas. Non. Non, ça marche pas. Lui, il faut absolument son propre calcul d'antenne GPS. D'accord. Ouais, c'est ce que j'ai essayé quand ils ont commencé à sortir les AIS, j'ai essayé l'opération, mais non. Ouais, parce que c'est à partir du moment où il y en a un où tout est en réseau. Non, mais il ne le récupère pas, il faut absolument qu'il ait sa propre position. Finalement, chaque matériel est monotâche. Oui. Ils savent travailler tous ensemble, mais individuellement. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes de compatibilité sur les différents labels, Raymarine, BG, etc., quand on est amené à changer certains composants? Moi, j'allais te dire non, tout marche ensemble. Ouais. Maintenant, si tu as un pilote, on va parler comme ça, hein. On a un pilote, d'accord, Raymarine. J'y mets un cadran de commande Garmin, à mon avis, ça marche pas. Ouais. Hein? Maintenant, j'ai un pilote Raymarine complet. Je mets un cadran répétiteur d'informations Garmin ou BNG. Les informations vont passer. Ouais. Mes informations de cap que j'ai sur mon pilote vont apparaître sur un autre appareil, puisqu'on est sur du 2000. Ouais. Et au niveau du traceur, hein? Du traceur, pareil. Ça va marcher. Entre Garmin et d'autres marques, sur les appareils Garmin, on a la fonction autoguidage. Mmh. D'accord, qu'on crée son point d'arrivée, ça nous fait la route par rapport au col. Si on passe le pilote en mode track en Raymarine ou une autre marque par rapport sur un GPS Garmin, ça ne marche pas. Ouais. Il ne va pas savoir aller travailler en autoguidage. Ouais. Par contre, si on fait un aléa, un rallié en Garmin sur du Raymarine, ça marche pas. Ça, il sera à lire l'info. Ça, il sera à lire l'info. Après, moi j'ai un bateau expérimental pour faire des essais, hein, donc je mélange un peu plus de marques. Dessus, j'ai du BNG, j'ai du Raymarine et j'ai du Garmin. Ouais. Ça marche. Mais des fois ça marche pas. Ouais. Le pourquoi du comment, on sait pas. Et quand tu as. J'imagine que tu es souvent interpellé sur des problèmes, pannes au niveau de l'électronique. En général, les diagnostics qui reviennent le plus souvent quand tu dois intervenir sur un réseau électronique de bateau. Parce qu'on a parlé des connexions, a priori, sauf l'aérien, mais sinon... Alors sur des connecteurs comme ça, j'ai rarement de panne. Ouais. Sauf celui... Alors avant, on avait des capteurs qui étaient NEMA 2000. D'accord. Donc en fait, le capteur, il sortait son information directe et on est plugué sur un connecteur. Mm-hmm. Donc le défaut de cet install, c'est que le fil était assez court. Donc on se retrouvait avec un T comme ça où on venait brancher le capteur dessus. Ouais. On avait cette terminaison qui était là, qui était au début du réseau, c'était là dans la cabine avant. Ouais. Et ça, évidemment, ça posait dans le fond du bateau. Ouais, donc, chaque fois qu'on sortait le capteur de lock, on avait de l'eau qui rentrait. Ouais. Donc ça traînait dans l'eau. Oui, d'accord. Donc là, j'ai eu des pannes sur ce parti-là. Ouais. Malgré que, en fait, sur le connecteur, il y a un joint torique. Ouais. Quand on clique, si on fait bien les deux tours, la prise, elle est étanche, mais l'eau arrivait quand même à passer. Ouais. Après sur d'autres marques, c'est facile parce qu'on a des connecteurs 3 plots. Dans les autres marques, en fait, c'est que des petits T comme ça qu'on connecte les uns aux autres. Ils sont connectés comme ça les uns aux autres. Si on ne les fixe pas entre eux, ils arrivent à prendre du poids, avec le poids des fils, ils arrivent à prendre du poids. Et la connexion qui se fait entre les deux, j'ai des fois des soucis. Ouais, j'ai eu des pannes là-dessus. Ouais. Ah, d'accord.
Après, niveau panne, à part des connecteurs tête de mât. Après, il m'est arrivé à moi aussi, mais à d'autres, de perdre l'indication du vent réel, d'avoir le vent apparent, encore apparent et pour cause, sur le répétiteur et le traceur, mais de perdre le vent réel. Et il y a un bug qui s'affiche. Je sais plus, et bon, j'ai vu d'où ça venait, il suffit d'aller le chercher, de l'effacer, et on retrouve le vent réel. T'as déjà entendu parler de ça sur BG? Alors, comment la panne que j'ai eue, moi? Non, c'est qu'il travaillait pas sur le capteur de lock, de mémoire. Dans le réseau, quand on sélectionne les... En fait, chez BNG, c'est un peu plus compliqué. Hein. On a un système recherche réseau, sur lequel on recherche tous les appareils qu'il y a sur le bateau. Et après, chaque appareil, en fait, on peut le mettre actif ou pas actif dans le réseau. Ouais. Donc, s'il n'est pas sélectionné sur l'information actif, ben, il n'y a pas l'information qui travaille. Ouais. Ça peut être ça sur BNG, oui, ça peut être ça. Ouais. Voilà. Il se perd. Ouais, on perd. Alors, c'est curieux parce que c'est le vent réel qu'on perd. C'est, bon, on pourrait imaginer que le vent apparent étant calculé, on perdrait le vent apparent. Mais on perd le vent réel. Oui. Et en fouillant un peu sur le traceur, j'ai trouvé une petite ligne d'erreur. Ouais. Et je sais que j'avais trouvé la combine pour l'effacer. Et je retrouvais mon vent réel. En fait, c'est un petit bug. Après, sur les bugs comme ça, il y a des mises à jour. Ouais, alors que la mise à jour avait été faite, hein. J'ai fait la mise à jour. Ouais. Non mais voilà. Ouais, non, sinon, a priori, au niveau connectique. Ouais, c'est peut-être de l'oxydation ou dans la mesure où là. Parce que non. Là, ce ne sont pas des. Non, pas je, des pense, causes, non je pense pas. Sur du BNG, il n'y a pas de cause en fait. C'est que des capteurs actifs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas un capteur comme ça qui vient se connecter à une boîte. On est réellement en sortie NMA 2000. Mm-hmm. C'est un peu ce que je disais par rapport à ça. Mm-hmm. Chez BNG, c'est plutôt ça le principe. Et encore, suivant les bateaux, sur le BNG, ce qu'ils faisaient, ils passent sur des prises SIMnet. Mmh. Sur des connecteurs un peu, j'aime pas bien ces prises SIMnet, d'ailleurs ils sont en train d'arrêter de les faire. Parce qu'en fait, elle est que poussée dans un connecteur. Ouais. Et elle tient parce qu'il y a un joint hydraulique qui la tient. Mmh. Donc ça peut être ça aussi, la perte d'information pour un moment. Et du moment que le système a perdu l'information, il ne la retrouve pas. Ouais. Mmh. Il faut arrêter, redémarrer, ainsi de suite. Généralement, ce que vous pouvez faire quand vous avez un bug, c'est éteindre, redémarrer, le réseau se refait et si les capteurs sont là, ça remarche. Ce qu'on peut avoir de panne, c'est par exemple, vu qu'on est tout en réseau, en plus encore sur une autre marque que d'autres, si on est tous en réseau, il suffit qu'il y ait un appareil qui tombe en panne, il peut planter le réseau. Mm-hmm. Imaginons que ce cadran tombe en panne pour X raison. Il peut me planter tout le réseau, donc il faut trouver la source de la panne, le débrancher pour refaire démarrer le réseau. Mais chez Marine, c'est rare ce type de panne. En fait, quand j'ai un appareil qui est en panne chez Marine, il est en panne, mais il ne plante pas le réseau. C'est rare qu'il me plante le réseau. Parce que le répétiteur est complètement dépendant au niveau des informations. Oui. Donc lui peut flancher et pas planter lui. Ouais. Pas planter lui. Sur Remarine, je crois que je n'ai jamais eu cette panne. Ouais. Qu'un cadran tombe en panne, il me plante le reste du réseau. Par contre, si un T s'oxyde ou quoi que ce soit, lui, il peut me mettre tout le réseau en panne. Ouais, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, il me perturbe ma dorsale tout le long. Ouais, c'est que la panne soit au début ou à la fin, en fait, j'ai plus le bon voltage dans le fil et là, ça me plante le truc. Donc, dans un premier temps, c'est vérifier les T déjà. Ouais. L'été, les connexions. C'est les connexions, c'est la source. Ouais. Alors, on avait évoqué sur l'atelier qui concernait le matage et la partie qui te concernait à toi au niveau de l'électronique, câblage, etc. Au niveau du pied de mât en plafonnier, il y avait des connexions aussi des qui sont accessibles, mais il y a aussi des boîtes de connexion à ce niveau-là. Oui. On peut avoir aussi des choses qui se passent à ce niveau-là. Pareil, ça aussi, ça pareil, ça dépend des marques. Alors maintenant, ils sont en train de modifier un peu tous les marques, sont en train de modifier. En fait, en pied de mât, généralement, on a ce fil qui est coupé, puisqu'il fait 50 mètres. Ouais. Donc, dans le mât, on fait 20 mètres, et il nous reste pour faire le reste du bateau. Donc, on a ces fils qui est coupé. Ouais. C'est que de l'information, c'est pas du signal NMA 2000. C'est-à-dire que si elle tombe en panne, elle va rentrer dedans, mais elle va pas me planter le réseau. Ouais. Puisqu'elle est, elle fait pas partie encore de cette dorsale. Ouais. Pendant un moment, on avait des marques où cette dorsale, il me l'a renvoyé en tête de mât. C'est-à-dire que l'appareil qui était en tête de mât, la partie qui tombe régulièrement en panne, me plantait en fait tout ce système de dorsale.
Donc j'avais tout en panne. Ouais. Juste en débranchant le pied de mât, boum, j'ai tout qui redémarrait. Ouais. J'ai tout qui redémarrait. Mais ils sont en train de. Je crois qu'il n'y a plus de marques qui font ce système où ils envoient la dorsale en tête. Il y en avait. À la limite, il n'y a plus que NKE qui a encore un système comme ça où ils envoient leurs informations en tête de mât. Mais ils ne travaillent pas sur du NMA 2000, donc c'est encore différent. C'est encore différent. Ouais. Après, c'est peut-être que quand on a une panne, vérifier les fusibles, ça peut souvent. Non. J'y crois pas. Voilà, c'est de l'alimentation. Non, bah ouais, non le fusible, s'il est grillé, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a eu un court-circuit quelque part. Ouais, parce que tu sais, c'est un peu, je pense, comme les ordinateurs. Tu as un ordinateur, et même les téléphones. Hein. Tu n'es pas sortant de nous dire de faire des mises à jour. Oui. Ça marche. Et après, il y a un décalage entre la mise à jour et la capacité de l'appareil. Voilà. Ouais. À part la cartographie. Ouais. Ça, oui. Ça, ouais. Mais tu vois, il y a des GPS qui allez, on va dire qu'ils ont 5 ans, et tu vas leur mettre une mise à jour d'appareil de maintenant, l'appareil n'a pas été fabriqué pour. Mmh. Pour moi, à mon avis, au début, il n'a pas les capacités. Hein. Alors moins qu'il est surdopé au début. Enfin. Et les radars Wi-Fi, c'est fiable aujourd'hui? Si tu n'as pas une grosse portée, oui. Ouais. Oui. J'en ai alors je vois pas trop moi je vois pas encore trop l'intérêt du radar Wi-Fi puisque quoi qu'il en soit il faut l'alimenter. Faut passer un fil. Ouais. Oui d'accord. Passer un fil, tu passes l'autre. Hein. On n'est pas prêt. Oui d'accord, ouais. D'accord. Ce que j'en ai fait moi un sur un Bavaria qui marche en Wi-Fi. Le client voulait absolument le brancher en Wi-Fi. Pour économiser le prix du câble et tout, donc c'est que ça. Ouais. Et sur un bateau moteur, par contre, oui, je l'ai branché en Wi-Fi parce que j'avais des problèmes de passage dans l'arceau. Je pouvais passer juste à une fil, donc j'avais pas la place pour passer les deux fils. Et un radar Wi-Fi sera inférieur en portée alors? Ah non, pareil. Non, pareil. Il n'y a pas de. Non. T'as juste la connexion entre l'écran et l'antenne, ouais, qui est entre guillemets plus facile à faire. D'accord. Parce que tu passes que le 12 volts que tu envoies à l'antenne et après de l'écran qui est généralement derrière l'antenne en haut, t'as pas de fil à passer. D'accord. Enfin, le jour où ça tombe en panne, on sait pas le pourquoi du comment. Mais sur le radar, c'est une idée où l'investissement est un peu moindre aujourd'hui. Il y a eu une évolution, non, ça reste en qualité égale. Ouais. Ça reste l'évolution que par les années passées. Les radars sont vraiment plus performants qu'avant. Ouais. Mais le prix, il est élevé quand même. On reste élevé. Quand même de 3000 euros. On reste autour de ça, oui, d'accord. C'est ce qu'on avait avant. Hein. Et là, on n'a que l'antenne radar. Alors qu'avant, pour 2000 euros, on avait un écran et une antenne radar. Ouais. Mais en noir et blanc. Ouais. Avec des fonctions, des visibilités un peu moindres. Tout à fait. Ouais. Moi j'ai une conclusion quand même, c'est que chaque appareil est monotache. Et tout est masculin. Donc voilà, on comprend pourquoi. Tout est monotache. Si les appareils avaient été féminins, il y aurait eu multitâche. Multitâche, parce d'accord. Que chaque appareil a bien sa définition. Là, tu es en train de nous dire que nous, les hommes, on fait une chose à la fois et que ça. Vous, seules les femmes, êtes capables d'en faire plusieurs. C'est n'importe quoi. Par Napoléon. Ah. Ben, une fois de plus, merci à toi, Pascal. Ouais, voilà. Allez, bonne journée. Dans la continuité du matage. Je pense qu'on fera avec du BNG. D'accord. Pour les clients qui ont du matériel en BNG. D'accord. Pour voir le pourquoi du comment, le câblage. Bonjour.